Allez, Jérémy, allez, Jérémy, allez. Voilà, on va les retrouver dans quelques instants, donc le monde est derrière. On va dire à l'autre de son groupe qui peut l'exprimer ainsi. Également de cette. Avec ce Florian Roy qui s'était imposé, le coureur du Val d'Oise, Thomas Morichaud, donc de la Haute-Vienne, le tenant du titre avait fini deuxième, alors que c'est le coureur du Lot-et-Garonne qui porte prétendant également donc à la victoire et au titre. Ici, le podium, rien n'est à dire. Au passage, tout en face de nous, on se avec également donc le coureur du Nord de la Gironde, également bien positionné de la Haute-Vienne, également. Donc, que je suis à force de voir, notamment Romain Marmonton, également qui est dans ce groupe de tête derrière, c'est un petit peu plus Jérémy Montagnol, on retrouve également donc dans le groupe de tête, groupe de tête, derrière également tout à l'heure, au nombre de tours, il restera à parcourir dans cette catégorie. Et le défaut, un petit peu, il est temporaire. La tête avec 11 allez, 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 allez Gabi! Allez Loïc, c'est bien pour toi! Ça va les gars! Thank you.
Allez Théo! Écoute mieux ta mère quoi. Moi il y avait un problème hein, qui a changé de vélo. Les premiers avec une vingtaine de mètres d'avance. Allez Bastien! Allez Bastien, allez! Allez Thomas! Allez Thomas! Allez Thomas! Remercie également Sandrine Zamané, Jean-Claude Durand et Patricia Comolin de la toute personne et par courant de radiation du comité d'organisation. Allez Thibaut, c'est devant la course, c'est pas derrière. Allez. Voilà donc un petit tour de allez, Thibaut. Le comité d'organisation et remercie bien sûr encore une nouvelle fois et tous ces bénévoles, le service également. On aura le 15 juin et tout à l'heure de remercier encore une nouvelle fois de prendre la tête et remercier le comité départemental. Ouais Jérémy, allez, Jérémy, allez, Jérémy, allez, allez. La communauté de communes Pyrénées, Vallée des Cannes, et la tête de course, ici à Saint-Denis, avec les couleurs pointes du Nord, avec, donc, on retrouve en tête, et on les retrouve tout à l'heure, Samuel Montreux, et on retrouve également, donc, l'année du Mosseau, un nom bien connu derrière, également, on retrouve, donc, les couleurs, comme le site de la Gironde, de la Haute-Vienne, aussi de Pyrénées également. Voilà les deux coureurs avec, donc, maintenant c'est le Nord, il veut garder la tête et derrière ça revient avec les couleurs de la Gironde justement en troisième position alors que l'on retrouve donc la Lopinoté qui fait le forcing maintenant devant Samuel Pontro derrière également on retrouve la Gironde donc en troisième position aujourd'hui et là, Allez Thibaut! Allez Thibaut!
Actuellement, ce bord, la revue, bien sûr, du groupe du tennis, le diamètre. Donc là, cette course, le temps de relever ma tête, également par rapport à la plaquette du visiteur et à mon sort également dans quelques instants. Encore une fois déterminant, alors que derrière on retrouvait le coureur girondin Arnaud Foucoulon qui semble là maintenant lutter pour la troisième place. Mais attention à nouveau titre dans son palmarès, Alain Gain qui prendra également la parole, les mots des co-présidents également. Monter à Belzéo,
bâtard de bois. Il a fait plus haut pour mettre un bel poids. Il a fait 7ème. Il est doué, on le voit. Voilà. Quelle ville vous êtes? On est à côté de Lens. On habite à Lens. Lens. Ouais, juste à côté. Ah, on n'a pas fait le déplacement pour rien. Ah oui, voilà. Surtout par équipe. Ça fait plaisir, les jeunes. 12 heures. Par contre, dans les jeunes, vous êtes combien? Merci, garçon. J'ai même pas eu le temps de le tirer. Les gens sont arrivés. Bien sûr, vous avez le sac de l'ouverture. Oh, c'est rien, c'est des affaires. C'est voilà. Et ça fait plaisir, les jeunes. Moi, je le dis. Donc, on va saluer d'abord le 3e, également les couleurs de la Gironde. Merci de bien vouloir l'applaudir également avec Arnaud Pipoulot, voilà, qui finit à une belle 3e place. Il est bien revenu, je vais passer de ce côté. Ici, bien revenu dans le final en tout cas. Bien revenu surtout dans le technique, mais après dans les... Attends, 30 secondes. Hop là, non, c'est pour les photos, voilà. Ouais, c'est tout à la vedette. Dans le technique, je revenais pas mal, et après, dans les lignes droites, je relâchais un peu, et après, j'ai vu qu'il rentrait derrière, et du coup, j'ai foncé, et voilà. Raconter comme ça, c'est facile, le vélo, hein. Moi, non, mais franchement, j'ai accéléré, là, j'ai ralenti, là, j'en ai remis un coup. En tout cas, la forme était là, et t'étais pas loin, c'était à quelques mètres. Ouais, c'était pas très loin, et je pense qu'il manque un tour. Ouais, il manque un tour, on va refaire la course, donc... Ah, le vainqueur n'est pas d'accord, ok. En tout cas, félicitations. Je pense qu'on peut l'applaudir très très fort. Voilà le 3e. Le 2e, Samuel Pontreau, que je vous demande d'applaudir. Donc 2e, il va nous raconter justement donc un excellent départ. Ça, jusque-là, tout va bien. Et ensuite. Ensuite, Alors je fais la traduction, il a fait une faute bête, bien sûr, hein. C'est pour les enfants. Je plaisante, bien sûr. Qu'est-ce qui t'avait fait l'arbre? Non, mais c'est une question, hein. Ben, pourquoi tu vas leur côté? C'est la fatigue, certainement. Ouais, voilà, la fatigue, et puis tu t'es dit, bah, je suis passé assez près, je veux me remettre, en tout cas me rétablir, justement, et puis on heurte l'arbre. Et ça, ça a coûté ta victoire, tu penses? Oh oui, c'est une victoire. Voilà, donc en tout cas, félicitations, c'est ce que je te confiais hors micro également. Voilà, vous avez fait une très belle course. Voilà, je vous demande de l'applaudir très très fort, également. Donc, et alors, si vous êtes allé à côté de moi, le champion de national. Alors, je vais tout vous dire, moi je travaille en direct live. Et je vais vous avouer quelque chose. On va vous... La personne qui nous écoute, ça m'a pas donc, bouchez vos oreilles. Hier au soir, on avait convenu d'un accord. On devait aller en boîte de nuit. Et donc on n'y a pas été. Et je crois qu'on a bien fait. Enfin, moi, je suis vraiment... Je dis pas, non, c'est pas vrai. Et donc, on a bien fait de pas y aller. Ouais, c'est pas vrai, on ira le soir. Bon, donc, s'il y a des jeunes qui veulent venir avec lui, moi, non. Je tiendrai la porte, moi, il n'y a pas de souci. Donc, allez, sérieusement, maintenant, belle course. Ouais, bah... Je suis parti deuxième ligne, premier tour, c'était pas évident de remonter. Et dès que je suis remonté, j'ai pris la tête du groupe. J'ai fait une grande accélération pour que ça casse. On est parti à deux avec Samuel, on a fait une stop pour ça deux, pour faire jouer des épaules dans le dernier tour. Et il a fait une stop dans les derniers virages, et on a permis de partir. Voilà, donc, et au sprint, si c'était. Oui, avec des si, on refait la course, allez, d'accord. Ça s'est joué comme ça, donc le titre. Patrick Trombelin, je crois bien, va être content également. C'est toi qui paye le champagne, donc ce soir, en quoi? Ouais, ce soir, champagne et Gaëtan aussi, qui est content. Ouais. Voilà, Gaëtan également, voilà, non mais franchement, ça fait plaisir également. Et on va remettre ce maillot, c'est Alain. Et qui te le remet, tu peux poser les gants. Tu peux poser les gants, il ne fait pas froid. Et on va applaudir comme il se voit. Un seul podium également de la catégorie, donc des 17 à 18.
pointe, il va monter sur la plus haute marche du podium. Je rappelle le podium de 17 ans. Arnaud Foucouno, troisième, deuxième, Samuel Pontreau, champion national, Timothée. Est-ce que le public est chaud? Est-ce que vous êtes là? Ouais. Il y a 3 qui dorment et 2 et demi qui sont réveillés. Faites du bruit pour ce podium! Ouais. Voilà, donc c'est une grande officielle. Une grande officielle et un peu officiel là. Voilà, merci à cette organisation, ce